Je suis ici parce qu'en fait, ma professeure d'allemand m'avait proposé de partir en Allemagne, dans la ville de Ludwigshafen, donc qui est jumelée avec la ville de Lorient. Et l'OFAGE propose une bourse pour aider en fait, les villes partenaires à organiser ce genre d'échange de jeunes qui veulent travailler dans le pays partenaire. Ein Schwerpunkt der städtepartnerschaftlichen Zusammenarbeit ist bei uns der Jugendaustausch im Rahmen des Programms des deutsch-französischen Jugendwerkes Job in der französischen Partnerstadt. Fahren bei uns alljährlich 10 Ferienarbeiter aus Ludwigshafen nach Lorient und umgekehrt kommen 10 Ferienarbeiter etwa nach Ludwigshafen und arbeiten hier. Tous les jeunes qui viennent grâce à l'OFAGE en Allemagne le font volontairement pendant un mois. Ce qui m'a motivée, c'est vraiment d'avoir une première expérience professionnelle qui se passe à l'étranger, puisque c'est vraiment un plus sur un CV. C'est aussi une sorte de petit défi. Est-ce que pendant un mois, je vais pouvoir me débrouiller toute seule comme ça en allemand? Et c'est vraiment génial. Il y a vraiment une très bonne ambiance. C'est une très bonne expérience. Ja, also wir hatten ja schon einige französische Praktikanten. Wir freuen uns auch immer, wenn sie kommen, weil sie unterstützen uns. Und man merkt dann auch richtig die Fortschritte. Am Anfang sehr schüchtern, zurückhaltend, weil das mit dem Deutsch noch sehr fremd ist. Zu Hause übt man das ja nur in der Schule oder während dem Studium. Und hier muss man mit den anderen Leuten sprechen. Und am Ende ist es richtig, richtig toll, wie sie das können und wie sich das verbessert hat. Und das macht richtig Spaß mit denen. Je participe au programme Job dans la ville jumelée de l'OFAGE et je travaille donc à la Sparkasse de Ludwigshafen. C'est une expérience professionnelle et puis en plus c'est à l'étranger donc on apprend beaucoup de vocabulaire. C'est un échange culturel aussi, on apprend plein de choses sur le pays et en même temps sur un nouveau job. Man unterhält sich auch privat. Was hat man am Wochenende erlebt? Was macht man am Abend? Als Angela Merkel bei uns war, haben wir uns morgens drüber unterhalten über Politik. Man tauscht sich auch kulturell aus. Was ist in Frankreich? Was gibt es in Deutschland? Was sind die Unterschiede? Und ja, das macht also sehr viel Spaß. Un mois, ça peut paraître long. On peut avoir peur de pas savoir parler ou des choses comme ça, mais il faut vraiment pas avoir peur en fait. Les gens font vraiment attention à parler lentement, à se faire comprendre. Très vite, on s'adapte en fait. C'est une super expérience. Je pense qu'il faut vraiment pas avoir peur. Il faut se lancer, se renseigner, mais faut vraiment se lancer. Une fois qu'on est dedans, de toute façon, tout se passe très bien. Die Sprache erlernen, die Lebensgewohnheiten von einer anderen Nation kennenzulernen, das merkt man am besten, wenn man vor Ort ist. Und deshalb ist so ein Praktikum in der Partnerstadt für die sprachliche Entwicklung unwahrscheinlich gut. L'OFAGE ist ein Partner très important dans ce programme Job d'été, parce qu'en fait, il nous permet de financer une partie de notre voyage et il nous permet aussi de financer une partie de nos dépenses de tous les jours. Donc c'est vraiment une aide financière importante qui nous permet de faire beaucoup de choses et on remercie vraiment l'OFAGE pour nous l'avoir accordé.